matchs déjà. Mais 94. Une homme 94. Dis-lui d'attendre un peu. Créateur du ciel et de la terre,
Dieu, Père céleste, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, je te remercie pour cette possibilité que tu nous as donnée ce soir de se retrouver ici dans ta maison pour te glorifier, te louer et te rendre grâce. Père Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as fait pour nous toute cette journée. Tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as conduits selon ta volonté, tu as encadré toutes nos activités et ton Saint-Esprit nous a conduits et nous a menés vers ton chemin. Père, tu as permis que nous roulons en toute sécurité de nos maisons jusqu'ici. Tu nous as épargné toutes sortes d'accidents. Nous te rendons grâce tout-puissant. Père d'amour, je laisse cette soirée entre tes mains. Qu'elle soit bonne, qu'elle puisse nous édifier. Que ce soit une occasion de plus pour pouvoir affermir nos foi. Nous te demandons, Père céleste, de nous bénir, d'exaucer nos prières. Père, de penser aussi à ceux qui ne sont pas venus ce soir. Vous-même, vous connaissez la raison de leur absence. Il y a certainement ceux qui sont empêchés par leur travail. Il y en a qui sont empêchés parce qu'ils ont telle ou telle autre préoccupation. D'autres pères trop puissants ont seulement donc une fois refroidie. Et je te demande, Père, de rallumer la flamme. Tout-puissant Dieu éternel, dans toute l'humilité, j'intercède pour tous ceux qui sont malades, Père, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont aussi chez eux en convalescence. Tu es Dieu de puissance, Dieu de guérison, puisque tu puisses leur donner la guérison totale. Dieu d'amour, j'intercède aussi pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont dans des périodes de deuil, périodes de détresse, périodes d'angoisse, périodes de chômage, qui ont perdu leur travail, qui se recherchent, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Père, toi tu es là, tu leur donnes le courage, tu les réconfortes, et tu les encadres, tu trouves des solutions pour eux. Tu trouves des solutions pour tout le monde, Père. Ça. Père d'amour, je te demande de donner la paix dans le monde, de donner la paix à tes enfants, de mettre fin à toutes sortes de guerres qui sévissent actuellement à travers le monde, la guerre en RDC, la guerre au Moyen-Orient, la guerre ici en Europe. Père, que tu puisses donner ta paix, que tu puisses permettre à tous tes enfants qui sont entrés de errer par-ci par-là à cause des atrocités, qu'ils puissent regagner leur maison et retrouver la paix. Car nous parlons ce soir de la paix, Père Tout-Puissant. Voilà, Dieu d'amour, pardonnez-nous nos péchés. Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui, elle est dans le livre de Psaumes, le chapitre 122, verset 8. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Jusque-là. On chante le 96. 96. Thank you.
Aujourd'hui, c'est une journée de la paix. Comme nous l'avons dit dans le chapitre ici, dans ce psaume qui a été écrit par le roi David, donc David, et à travers ce psaume, nous aspirons à la paix avec Dieu et avec notre prochain. La paix a été promise depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Parce que nous avons lu dans les Saintes Écritures que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on nous parle d'une période très difficile. Une période où les enfants de Dieu ont connu que des atrocités, de la guerre et la mort. Et tout cela était arrivé suite à la désobéissance. Nous savons dans Genèse, la désobéissance d'Adam et Ève qui avaient au fait trahi Dieu. En les trahissant, Dieu les avait chassés du paradis et il était, comme nous pouvons le dire, donc abandonné à eux-mêmes et voué à leur propre sort. Et ça a été une situation très, 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 très difficile pour eux. Et ça a eu comme des conséquences, effectivement, la guerre et beaucoup d'hostilité. Et dans ces hostilités, il y a eu même le cas où les frères se sont entretués. Nous connaissons les récits de Caïn et Abel. Nous connaissons aussi plusieurs récits par rapport à Sodome et Gomorre, les différentes guerres qu'il y a eu, parce que les êtres humains, les hommes, s'étant révoltés contre Dieu, et durant une très longue période, Dieu les avait laissés dans la situation de turbulence. Et ce n'est qu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, et par son action rédemptrice, elle a fait que commence à avoir une sorte de rapprochement entre Dieu et l'homme. Mais ce rapprochement, c'était qu'il fallait que le Christ subisse un calvaire, qu'il soit tué, crucifié, et qu'il ressuscite au troisième jour pour baliser les chemins, afin de devenir comme la voie que Dieu avait donc instaurée pour que tout celui qui veut vivre en paix et en paix avec Dieu et son prochain puisse passer par l'acceptation de Jésus. Qu'il puisse reconnaître Jésus, l'accepter comme le sauveur et comme l'unique voie
qui peut mener au salut. Parce que le salut ici, nous l'avons toujours répété, le salut ici principal, ou la paix éternelle, c'est cette paix-là à laquelle nous tous nous aspirons. Nous aspirons parce que nous avons vu depuis la période, depuis Adam et Ève jusqu'à présent, le monde n'est pas encore sorti complètement de la période paix pacifique. Nous vivons toujours des guerres et toutes les tentatives que l'homme s'était imaginé de pouvoir sortir des hostilités, de la guerre et gagner la paix, toutes ces tentatives, nous pouvons dire qu'elles ont échoué. Bien que le Christ était arrivé, il s'est sacrifié afin que l'homme puisse comprendre que voilà, il est très important de vivre selon la volonté de Dieu, suivre la voie de Dieu. Malgré tout cela, il y a toujours, les hommes sont toujours restés dans les déraillements et dans une sorte de révolte contre Dieu. Et quand nous voyons même au temps moderne ici, après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances, qui sont des hommes et des femmes, s'étaient mises ensemble, mises d'accord que pour dire plus jamais la guerre, nous créons une journée spéciale pour la paix et nous allons œuvrer pour la paix. Mais comme c'est une œuvre humaine, ça a été très mal pensé. Nous avons même l'adage qui dit que il faut préparer la guerre pour gagner la paix. Ils se sont mis dans la course aux armements, donc chacun s'est mis à créer, à fabriquer les armes les plus sophistiquées, les plus redoutables possibles, soi-disant que c'est une façon préventive pour prévenir la paix. Alors que c'est tout à fait le contraire. Ces armes-là, ils sont obligés de les expérimenter. Et voilà que ça n'amène toujours pas la paix. Et la paix ici, comme je venais de le dire, la paix éternelle, c'est celle au fait qui passe par Dieu, que nous devons être en paix avec soi-même, en paix avec Dieu et son prochain. Et cette paix-là, c'est l'appel pour la paix vers laquelle nous aspirons. Et on nous demande ici dans le psaume, le psaumiste écrit qu'il faut anticiper. C'est quand nous regardons dans psaume 120, il y a une anticipation, parce que les rois de David, ils étaient encore en captivité quand ils pensaient déjà à un jour retrouver Jérusalem, la terre promise. Ils en avaient déjà anticipé. Ils avaient déjà créé une sorte d'enthousiasme. Toujours guidé par le Saint-Esprit, on a vu que dans le psaume 121, et l'anticipation, ces rêves-là, commençaient déjà à être rassurés, se dessiner petit à petit, jusqu'à arriver au psaume 122, où effectivement ils arrivent dans Jérusalem terrestre.
Jérusalem terrestre qui était présentée comme les lieux saints, le lieu choisi par Dieu pour ses enfants. Et pour nous, ce soir, notre Jérusalem, nous sommes encore dans Jérusalem terrestre, ici, c'est l'autel, votre présence ici, dans la maison de Dieu, parce qu'elle nous dit que dans la maison de Dieu, on y retrouve la paix et la tranquillité en Dieu. Parce qu'on est en train, effectivement, de communiquer avec Dieu à travers l'Évangile, à travers la parole. La paix en moi et en mon prochain, ici, il est très regrettable et très malheureux de remarquer que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore vraiment à mesure d'avoir la paix avec nous-mêmes et, le plus grave encore, la paix envers son prochain. Pourquoi? Parce que entre les êtres humains règne toujours encore les conflits. Les conflits sont omniprésents. Malgré que le Christ était venu pour résoudre ces problèmes-là. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous en sortir de cette situation d'hostilité. Donc, ici, ce que nous allons dire en résumé de cette parole, la parole d'aujourd'hui, journée de la paix, c'est que la paix est promise dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et par la rédemption, l'action rédemptrice de Christ, une possibilité de paix entre Dieu et l'homme s'est créée. Donc nous avons une possibilité donc de paix entre nous et Dieu. Mais cette possibilité-là, c'est quoi? C'est passé par Jésus-Christ qui est le chemin. L'accepter comme son sauveur. Et ici, toujours dans le même chapitre ici, on nous dit que celui qui s'oriente vers Jésus s'engagera par la paix entre les hommes. Donc il faut toujours s'orienter vers Jésus qui est la boussole. La paix éternelle est parfaite et ne régnera que dans la nouvelle création. Parce qu'on nous dit ici dans la nouvelle création, où la paix sera parfaite, il n'y aura ni de plaire, il n'y aura ni de chagrin, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni de mort. Hein? Il sera, comme on nous dit, qu'un jour c'est 1000 ans, pendant tout ce temps-là, nous ne serons que dans la joie, dans l'allégresse et dans une paix totale et parfaite. Amen. Amen. Comme je suis seul, donc, nous allons passer alors à la préparation de la Sainte Cène. C'est combien? À la préparation de la Sainte Cène, nous allons chanter d'abord. On avait pris le. C'était le. Le 25. Le 25.
La Sainte Cène, pas la Sainte Cène, c'est l'acte de reconnaissance du sacrifice de Jésus-Christ pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et la Sainte Cène est un moment très important dans notre vie de croyants. C'est une occasion d'affermir encore davantage notre proximité au Christ, notre relation à Dieu et de grandir dans la foi. Nous avons déjà chanté le chant de repentance. Je vais vous inviter à vous lever pour réciter la prière que nous a enseigné notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandat, j'annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La vie du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon Père Céleste, maintenant nous voilà au moment où nous devons passer à la Sainte Cène. Nous devons passer à ta table, Père Tout-Puissant. Nous avons ce soir, parler de la journée de paix. Nous te demandons, Père Tout-Puissant, de nous donner la paix entre nous et toi, et entre nous, les frères et sœurs, et tous les, nos contemporains. Père Tout-Puissant, que cette occasion puisse être une occasion pour nous d'effacer nos péchés. Nous te laissons tout cela entre tes mains. Nous te prions, Père, pour que nous soyons prêts à recevoir ton corps et ton sang. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Cène. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Cène. Et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces vins, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 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 Nous allons chanter le trois cent un. Asseyez-vous. Une place.
donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Numéro 2. Le premier. Ce soir, tu nous as parlé à travers ton évangile de la journée de paix. Tu nous as parlé du Jérusalem terrestre où tes enfants avaient cherché la possibilité, avaient la joie et avaient l'anticipation de pouvoir y aller. Ce soir, tu as permis que nous arrivions dans ta maison qui est notre Jérusalem, pour enfin de venir se préparer pour le Jérusalem céleste. Jérusalem céleste, Père, que tu nous as dit, dans ce Jérusalem-là, nous aurons la paix parfaite. Et nous aspirerons à la paix, où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de douleurs, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de souffrances, pas de guerre. Nous vivrons en parfaite harmonie avec toi et dans la joie et dans l'allégresse. Père, je laisse tes enfants entre tes mains ce soir, que tu puisses les bénir, les sanctifier, exaucer leurs prières et que tu puisses accompagner chacun de nous. Donc, tu puisses prendre en charge au contrôle tous nos moyens de locomotion d'ici jusqu'à nos habitations respectives. Père Tout-Puissant, que tu puisses aussi exaucer nos prières de ce soir et que tu puisses nous conduire selon ta volonté, nous mener durant tout le reste de cette semaine jusqu'au prochain rendez-vous, le dimanche où nous allons encore nous retrouver dans ta maison pour de nouveau te glorifier. Car c'est ce que nous pouvons faire, le mieux pour reconnaître tes bienfaits, ta bonté. Père, nous te laissons aussi tous nos frères et sœurs qui ne sont pas venus ce soir, que tu puisses les bénir aussi et surtout que tu puisses les envoyer ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent de plus en plus prendre l'anticipation de venir dans ta maison et de bénéficier de ta grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Chanter. Voilà.
On peut chanter 98. 98. Okay. Nous avons été courts. Nous avons terminé un peu avant. Quel ami fidèle est entre 98.